Bonjour, Miss Lagière. Bonjour à tous. On va entamer maintenant un nouveau module sur la comptabilité générale. Hein? Première chose à faire, on va répondre à la question qui s'impose maintenant, c'est qu'est-ce que la comptabilité générale? J'écris cette question pour le recul. Okay. La comptabilité générale est un système d'organisation d'un système d'organisation dans lequel les flux comme vous le savez, et si vous n'avez pas, je vous le rappelle qu'il y a plusieurs types de flux, le flux interne, le flux externe, le flux physique, le flux monétaire, le flux financier. Ces types, on va les traiter dans des vidéos. C'est une autre vidéo. Maintenant, je définis maintenant qu'est-ce que la comptabilité générale. La comptabilité générale est un système d'organisation dans lequel les flux en provenance des destination de l'entreprise. Sont identifiés et traduits sur le plan financier Voilà, première idée de qu'est-ce que la comptabilité générale. Ensuite, la comptabilité générale, il représente un outil permettant d'une période appelée exercice comptable. يعني من واحد لواحد جمعنا من واحد لواحد من العام حتى لاخر العام، هذا سميتو ان اكزيسيس كونطاب. اذا اش كي بيرميتي هاد الكونطابيليتي؟ بريميرمون D'une part, de prendre connaissance de
la connaissance, du patrimoine d'une entité. Alors, le patrimoine, il y a l'entreprise par exemple, une entité. Elle ne signe pas témoin, signe un don. Ça veut dire ce qu'elle possède et ce qu'il a droit. Ce qu'il possède, ou signe sa dire. Allah. Et d'avoir le patrimoine. D'autre part, de mesurer périodiquement les performances de ceci. Au travers du résultat. Il a réalisé sur une période. Voilà la définition de la comptabilité générale. Voilà. Merci de votre attention. Jusqu'au prochain séance.